Dans cette vidéo, je vais devenir footballeur professionnel pendant 24 heures. J'intégrerai le centre d'entraînement qui a formé Kylian Mbappé, l'AS Monaco. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais être footballeur professionnel pendant 24 heures. On va aller direction l'AS Monaco et on va défier des joueurs professionnels de foot et voir comment ça se passe. C'est parti! On est enfin arrivé à l'hôtel, il est plus de 23h et on va voir comment est la chambre. Les gars, regardez l'ascenseur, il y a même une télé à l'intérieur. Direction la chambre d'hôtel, on va voir un peu comment c'est. Les potes, on vient d'arriver dans la chambre d'hôtel, je vais un peu vous présenter comment ça se passe. Salle de bain, au top. On continue. Deux lits. On a aussi comme un professionnel notre tenue Monaco. Donc à l'intérieur du sac, je vais vous présenter après. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, plein de petits cadeaux et des vêtements pour pouvoir jouer demain comme un joueur professionnel de foot. Demain, ça va être une journée. Il y aura des entraînements, de la muscu et un match de foot. Vraiment, on est sur 24 heures dans la peau d'un professionnel de foot à l'AS Monaco. Bon allez, on a encore plein de choses à découvrir. Let's go. Les amis, on est le lendemain. On vient de se réveiller. On s'habille en tenue de l'AS Monaco. Aujourd'hui, journée comme un professionnel de foot pendant 24 heures. Allez les potes, c'est parti pour voir la vue, regardez ça. Magnifique. Incroyable. Regardez cette vue. Les potes, c'est le petit déjeuner. Donc là, on va se régaler des croissants, des chocolats. C'est parti, on rentre dans le taxi. On est bien arrivé à l'AS Monaco, au centre de performance, et on va aller jouer, s'entraîner, aller à la muscu, et voilà, vivre comme un professionnel de foot pendant 24 heures. Dans le centre de formation de l'AS Monaco, il y a eu un des meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé. On va jouer sur ses traces. On est dans la cafétéria, on va pouvoir encore déjeuner. Derrière nous, il y a les futurs cracks, les joueurs de l'AS Monaco. Ils vont plutôt, je pense, être rapides, physiques et tout ça. Il va falloir être en forme. Parmi eux, il y a peut-être le futur Mbappé. Deuxième petit déjeuner, on a pris un bol avec du fromage blanc et des fruits. Comme ça, avec le fromage blanc, les protéines, on avait pas ça ce matin avec le croissant et les chocolatines, c'est pas le mieux. Ensuite, on a deux tranches de saumon et du jambon. Et un petit jus de fruits, kiwi avec une banane. Même au centre de formation de l'AS Monaco, on a des joueurs de tennis, Game Office. On est dans la pièce de performance et derrière moi, il y a tous les créateurs qui vont participer au match. On va rentrer maintenant dans la Dreambox. Venez avec moi, je vais vous expliquer à quoi ça sert. C'est une boîte comme ça où les joueurs vont s'y mettre et vont essayer de se détendre. Il y a de la musique. Et voilà, c'est vraiment un endroit pour rester un peu isolé, pour se concentrer, peut-être pour les matchs, les entraînements et à devenir meilleur. Regardez, on va enlever les chaussures. Et là, ils se mettent comme ça, les potes. Ah, après le petit déjeuner, c'est ce qu'il fallait. Et les gars, j'ai trop mangé, j'ai mangé deux petits déjeuners. Ah, et j'ai toujours pas digéré. Il y a un peu de musique, c'est calme. Et voilà, c'est pour se sentir bien et être prêt pour les matchs. Là, les potes, c'est la piscine et le jacuzzi. Il fait ultra chaud dans cette pièce. Imaginez, il y a quelques années, il y avait Mbappé qui était assis ici. T'as des sièges qui sont ultra confortables. Et les potes, il y a notre maillot. Joueuse prise, safe. Derrière, on a les coachs, les tableaux. C'est comme ça que ça se passe pour mettre la composition d'équipe. On a accepté de se faire masser par Game Office. On est dans la salle de sport de l'AS Monaco. Il y a des haltères, il y a différentes machines pour renforcer les muscles. Au fond, on peut voir déjà les joueurs de l'AS Monaco en train de s'échauffer, de s'entraîner avant le match avec le coach. Donc voilà, nous, on est encore en train de se balader. Eux, ils sont déjà en train de s'échauffer. Je sais pas ce que ça va donner tout à l'heure, on verra. Mais en tout cas, c'est des machines, ils sont déjà en train de s'échauffer. Les joueurs de l'AS Monaco, si à un moment donné il y a une bagarre comme ça, ils peuvent s'entraîner à taper dans le punching ball. On est maintenant à la conférence de presse, les bureaux et derrière ceux qui vont poser des questions, les journalistes. Incroyable, là les potes c'est comme un joueur pro. On est au niveau du bureau pour les questions. Et là tu parles dans le micro et derrière t'as les journalistes. Incroyable. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi défensivement ce soir c'était très compliqué? En fait, ils sont vraiment dans leur rôle, 24 heures dans la peau d'un professionnel de foot. Et le journaliste aujourd'hui c'est Gaël Office. On va maintenant sur la terrasse de l'AS Monaco avec le stade. Magnifique, ça va changer du stade sur lequel on fait du foot d'habitude. Là au moins il n'y aura pas de boss, il va être lisse, ça va être un billard comme on appelle ça. Les gars, c'est parti pour une feinte de passe challenge. C'est parti, 1, 2, vas-y, 3 passes, 2, 3. Ça s'est bougé. Oh ouais. Tu veux après. 1, 2, 3. On est avec Victor Player, un autre freestyler, et on va faire des petits skills au centre de formation de l'AS Monaco avec le stade juste derrière, magnifique, un billard. Hey kid, don't ever let them get inside your head.
tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Le moment le plus important de la vidéo, on va sur le terrain de l'AS Monaco, le terrain d'entraînement. Il est incroyable le terrain, tu sens que il est vraiment magnifique. Là au moins il n'y aura pas de faux rebond avec la terre qui part dans tous les sens, sous les taupes. Donc c'est génial, ça va être magnifique pour faire des passes, des contrôles. Les potes, on est sur le deuxième terrain, c'est sur celui-là qu'on va s'entraîner. Et la pelouse, elle est magique. Le terrain aussi, elle est toute douce et fraîche. Elle était bien taillée, humidifiée. Et non, c'est vraiment magique de jouer sur un terrain comme ça. J'ai rarement l'occasion de jouer sur des terrains aussi beaux. Et je pense que ça va être un régal aujourd'hui de pouvoir jouer contre des joueurs de l'AS Monaco. Comme les professionnels de foot, on est passé au sel pour pouvoir se nourrir, manger et pour pouvoir ensuite enchaîner sur le match. D'abord, il y aura les échauffements, ensuite match. Et voilà, faut prendre des forces protéines et des pâtes lucides pour voilà, tenir le match. Allez, on va maintenant dans les vestiaires, on va se changer. Et ensuite, on pourra attaquer sur le match, les échauffements et le match. Les gars, on est dans les vestiaires avec tous les créateurs qui vont participer au match contre l'AS Monaco. Je serai dans l'équipe For You contre une équipe qui s'appelle La Diagonale. La Diagonale, ils seront en blanc et moi, les potes, je serai en noir. Maillot noir, et voilà, on sera 4 créateurs dans chaque équipe, et il y aura 4 joueurs de l'AS Monaco dans chaque équipe aussi. Je jouerai milieu de terrain, et j'espère que ça va bien se passer. On est maintenant dans la salle à échauffement, on est en train de faire du vélo. On passe maintenant au mouvement pour tirer les muscles et faire passer le sang, et on fait 15 minutes en salle et 15 minutes dehors. On passe maintenant au prochain exercice. C'est parti. Top, ça tourne, dans ce bon moment, pas trop tôt, pas trop tard, on peut mettre des rebonds aussi, ouais, bien sûr, on peut varier. Oh, vas-y, les gars, on va appuyer sur le côté un peu, voilà, ok, bien joué. Là les potes, on est en train de s'échauffer avant le match, on se fait des passes pour sentir le ballon avec Théo. Voilà, on est en train de s'échauffer, on se fait des passes et ensuite on passera au match. On vient de s'échauffer environ 15 minutes et juste après il y a le match, donc on a fait des montées de genoux, des passes, on a fait un petit jeu où on fait des passes à 4 et là on est en train de boire et je pense qu'on repart sur un petit échauffement et ensuite les gars, direction le match à 15h. Défi crossbar validé. Début du match 15h, c'est l'entrée des joueurs. 4 créateurs de contenu par équipe et 4 joueurs de l'AS Monaco par équipe aussi. Et c'est parti pour un match de légende sur ce magnifique terrain de l'AS Monaco qui est juste parfait. Et c'est parti, le match commence, je vais toucher mon premier ballon, super contrôle, super passe, donc ça c'est nickel. Pour entrer dans le match, il faut toujours réussir son premier contrôle et sa première passe, c'est vraiment important pour le mental. Ensuite, on a essayé de mettre un peu de rythme. Sur le terrain, j'ai joué ailier gauche pour ramener de la technicité sur le côté gauche. Étant gaucher, c'est plus simple. Malheureusement, on s'est pris le premier but du match. Mais il ne faut pas s'inquiéter, on va vite remonter. Notre équipe va ouvrir le score dès le premier corner du match sur une magnifique tête d'un joueur de l'AS Monaco. Mon rôle d'ailier gauche était de récupérer les ballons, de couper les lignes et de ramener le ballon en haut. Sur cette action, il n'y a pas eu de marquage, du coup, on a pris un but. Mais on n'a pas baissé les bras et on a continué d'attaquer. J'ai reçu une passe d'un joueur de l'AS Monaco. Ensuite, j'ai réalisé aussi une passe. J'ai essayé de mettre du mouvement pour casser les lignes. J'ai récupéré la balle à ce moment-là. J'ai entendu le joueur m'appeler, je lui ai fait la passe. Et là, il a fait une magnifique enroulée dans le petit filet à l'opposé. Super but et une passe décisive, ça fait toujours plaisir. Sur cette action, j'ai tenté quelque chose. Je suis allé avec un petit dribble, une petite accélération sur le côté gauche. Ça fait toujours plaisir, il faut tenter. C'est comme ça que l'on progresse. Sur cette action, on ressort propre, on envoie le ballon au milieu de terrain qui va aller à l'opposé avec une magnifique passe. Et là, le joueur ailier qui met une magnifique frappe. C'est bientôt la mi-temps dans quelques secondes. J'essaie d'aller chercher une dernière fois la balle. Petit contrôle
Et malheureusement, c'est la mi-temps. Sinon, j'aurais voulu essayer quelque chose. On a fait la première mi-temps. On gagne 4-3. Et c'est vrai que quand on s'entraîne pas au cardio, tu le sens vite, hein, 2-3 courses, c'était déjà un peu fatigué. Mais sinon, au niveau technique, ça va pour échanger le ballon. Et voilà, faut continuer comme ça. 4 mi-temps de 15 minutes, les gars. Et voilà, on se repose, on boit. Et c'est reparti. C'est le retour de la seconde mi-temps et un magnifique but de la tête. On passe maintenant à une action que j'ai kiffé réaliser avec une super construction. J'ai dribblé un joueur, ensuite j'ai fait une passe, Paul a décalé sur l'autre côté et ensuite j'ai appelé le ballon pour essayer d'aller marquer. Donc là, centre, contrôle orienté et là je tire dans le petit filet de l'autre côté et c'est mon premier but. Regardez comment c'est magnifique derrière avec les petites étincelles qui sautent. Sur cette seconde mi-temps, j'avais envie de réaliser des transversales. Voilà. Donc on a essayé à plusieurs reprises. Heureusement, le gardien sort, sinon ça partait sur un but. Et donc voilà, j'ai essayé à plusieurs reprises de changer le jeu avec des transversales. Donc là, on réalise un dribble. J'essaie un petit lob par-dessus la défense, malheureusement un peu trop haut. Sur cette deuxième mi-temps, j'avais vraiment envie de courir. Donc je récupérais la balle et j'essayais d'enclencher quelques dribbles, des frappes. Et voilà, se mettre en action, c'est en tentant qu'on progresse. Donc là, on a fait une frappe, malheureusement, le goal l'a arrêté. Et on a continué. Sur cette action, on a posé le jeu tranquillement. On est revenu vers la défense et on fait tourner. Les gars, on vient de faire la deuxième mi-temps de 15 minutes. Plutôt fatigant, petit à petit, les gars, le cardio, c'est quand même important sur ce genre de petit match. Et donc là, il y a 6 à 5 pour nous. J'ai mis un but, ça c'est cool. Mais voilà, on avait pris un petit écart. Après, on s'est un peu rattrapé. Mais on gagne toujours. Il va falloir prendre l'écart sur la troisième mi-temps. Et après, il y aura encore une quatrième mi-temps. On va voir comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'on perd un peu en lucidité. Puisque tu sais, avec le cardio, bah, t'es un peu plus fatigué. Mais voilà, on va essayer de tenir. C'est parti, les gars, pour la troisième mi-temps. Malheureusement, on se reprend un but comme à chaque début de mi-temps. Mais pas d'inquiétude. On récupère le ballon, on pose, on essaie des choses. Donc là, à ce moment-là, j'essaie de temporiser avec le ballon. Je vois une ouverture, je rentre dedans et je fais une passe à l'opposé. Magnifique. Et donc là, on a le joueur qui va tenter quelque chose. Regardez bien, il va mettre un coup du foulard. Et franchement, il part super bien, son coup du foulard. Là, à ce moment du match, les potes, je sentais que mes mollets allaient lâcher. Je vous explique. Comme j'ai l'habitude de jouer sur un terrain gras, un terrain boueux proche de chez moi, vous pouvez le voir sur les vidéos, le terrain est plutôt mou. Et là, on est sur un terrain de l'AS Monaco assez dur. Donc c'est un super terrain, mais il est plus dur que celui sur lequel je joue. Et malheureusement, je me suis chopé des crampes assez rapidement. Quatrième mi-temps, 15 minutes, ça sera la dernière mi-temps. Au niveau du score, il y a 10 à 6 pour nous. On a 4 buts d'avance. Il va falloir essayer de ne pas se faire rattraper et de terminer en beauté ce match de 4 fois 15 minutes. Je décide de rentrer sur le terrain. Je fais une super interception. Malheureusement, les crampes sont revenues et je n'ai pas pu continuer le match. Voilà, tout simplement, les potes, j'ai pas eu de chance. C'est des choses qui arrivent même chez les pros. Ce n'est pas très grave, mais ça t'empêche de jouer le match. En tout cas, j'ai bien joué 3 mi-temps et ça, c'était top. Qu'est-ce que tu as à dire sur ta sortie ? Les gars, j'étais sur le terrain, je récupère la balle, je fais la passe, des crampes de partout. Devant, derrière, ici, crampes sur les deux jambes. Les gars, il ne reste plus que 2 minutes de jeu à jouer. On gagne 11 à 10. C'est-à-dire que s'ils mettent un autre but, il y a égalité. On est sur la quatrième mi-temps, donc c'est la dernière. Il reste vraiment que 2 minutes. Et on va voir en espérant ne pas se faire remonter. Ouf. Ouais, les gars, c'est pas loin. Ouais, je serais bien rentré. Ah, dommage. Oh, oh, oh. Yes, c'est la victoire des For You de notre équipe. On gagne 11 à 10. C'était chaud vers la fin, mais on gagne. Après, si on a un petit mot à dire sur Joa, franchement, il a du ballon. Il a du ballon. C'est son métier. Hein. C'est son métier, mais en tout cas, il nous a fait rêver quand même. Il nous a gratifié de bons petits gestes techniques. Hein. Il a du ballon. Voilà, il nous a régalé. On est d'accord. Hein. C'est bien lui qui a un crampon de chaque couleur. Exactement. Voilà, et des crampes. Par contre, un petit message. Hein. Hydrate-toi bien la prochaine fois. Hein. Maintenant, les potes, on est en train de faire la récupération juste après le match pour voilà, faire irriguer le sang dans les mollets, dans les jambes. Voilà, je pense que ça va faire plaisir aux muscles. On a fait la récupération avec le rouleau, maintenant on passe au vélo et tout simplement pour faire irriguer le sang dans les muscles et ne pas avoir de crampes. Les gars, on va leur poser quelques petites questions. Vous appelez comment ? Foued. Foued et... Béchir. Béchir, ok. Alors la première question, c'est comment vous avez réussi à rentrer dans le centre de formation de l'AS Monaco ? Ben, c'est quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 13 ans. On faisait des tournois, des matchs, etc. Et puis il y a des recruteurs qui sont dans toute la France. Qui sont venus et ils sont venus me parler. Ils ont parlé avec ma famille, etc. Et puis ensuite, on s'est mis d'accord sur un contrat de 3 ans NS. Et puis voilà, ça s'est fait. T'es rentré à 13 ans ? À 15 ans. À 13 ans, j'ai signé et je suis rentré à 15 ans.
Et t'as quel âge aujourd'hui? Là j'ai 21 ans. T'as été sur le banc de l'AS Monaco pour un match? Ouais, j'ai fait un banc. Voilà. Sinon tu joues en réserve, ouais, équipe réserve? Ça, avec le groupe élite. Et toi? Moi pareil, je suis en réserve. J'ai été, en gros j'ai signé à l'AS Monaco il y a un an et demi, on va dire. Et ça s'est fait bah, naturellement, oui, ils ont suivi mon parcours. En gros j'étais jeune, ils me suivaient de près. Ensuite j'ai signé dans une Nationale 2 à Gol FC, c'est à côté de Lyon. Et vu qu'à mon âge j'avais 17 ans, je crois 16 ans et demi, 17 ans, à mon âge c'était rare un joueur qui joue à ce niveau-là. À ce moment-là, et bah, ils ont contacté. Et t'as quel âge? 18. 18 ans. Ok, et tu joues en ouais, okay, équipe réserve. Équipe réserve. En fait, c'est que t'as deux parcours différents. T'as un parcours de la formation dès le début, dès le plus jeune âge, et t'as aussi un autre parcours de quelqu'un qui peut arriver et qui nous a rejoint à 17 ans. Donc ça veut dire que. Je suis passé par un club pro aussi avant. J'étais à l'OL. T'étais à l'OM ? À l'OL, l'OL. À l'OL. Pour les jeunes qui regardent cette vidéo, est-ce que vous avez des conseils à donner pour soit pour être performant ou totalement Franchement, pour moi, tant que t'es sur le terrain, tu prends du plaisir. T'as une bonne mentalité et après, si t'as des qualités. Des objectifs, ouais, c'est important. Ça, c'est très important. Surtout pas lâcher. Parce qu'à tout moment, on peut signer en club pro, par exemple. C'est lui, ça. Il est arrivé. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas lâché. Je suis dans un club pro. C'est ça, en fait. Faut pas lâcher. Il faut se fixer des objectifs et toujours croire en soi et prendre du plaisir. Si tu prends pas de plaisir, si tu joues pour l'argent ou pour autre chose, ça sert à rien. Il faut jouer pour soi-même et prendre du plaisir. Et vous jouez quel poste? Moi je suis 10 et sur les côtés. Je suis défenseur central. Ben, merci les gars pour vos réponses et j'espère les gars que ça vous aura aidé. Et si un jour vous voulez aussi devenir footballeur semi ou professionnel, voilà un peu les questions-réponses. On vient de finir de se changer parce qu'on va direction un bâtiment où on va aller jouer à FIFA contre des professionnels. Je pense que ça va être ultra dur. On va jouer contre un 3 fois champion du monde à FIFA. Ça va être dur. Il est 18h, on est dans l'auditorium et on est en train de faire un FIFA. Il est 20h et on va aller se régaler avec ce qu'il y a à manger. On va aller voir un peu le petit buffet avec plein de petits gâteaux et on va goûter tout ça. Et voilà, on touche à la fin de cette journée, 24 heures dans la peau d'un professionnel de foot à l'AS Monaco. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner et à activer la notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver mon ballon Star Freestyle, le lien est dans la description. Et nous, on se retrouve à la prochaine séquence dans quelques jours sur les boss. Un grand merci à TikTok France et à l'AS Monaco pour cette journée incroyable.